Vous le savez peut-être, mais à l'histoire nous le dira, on s'intéresse à tout. Et quand on dit à tout, là, ça veut dire au caca, au pipi, à la politesse, au sport, aux ananas. Mais on est aussi sérieux. Et quand on dit qu'on est sérieux, ben, il y a d'autres choses qui se font au Québec en termes de vulgarisation. Et c'est un très grand plaisir pour moi de vous présenter Pierre-Luc Brisson, qui est doctorant en histoire à l'Université du Québec à Montréal. Ben oui, il y a plein de choses qui se font en histoire au Québec. Et aujourd'hui, il va nous parler, du moins il va commencer une séquence sur Alexandre le Grand, et aujourd'hui, c'est sa jeunesse. Notre récit débute sur les bords de l'Euphrate, en Irak, à une centaine de kilomètres de ce qui est aujourd'hui Bagdad, dans la cité de Babylone. Babylone, une ville de légende qui abritait, durant l'Antiquité, l'une des sept merveilles du monde, les fameux jardins suspendus, qui ont inspiré tant d'artistes et de légendes. Nous sommes en juin 323 avant Jésus-Christ, et l'homme le plus puissant du monde antique se meurt d'une fièvre, sans doute transmise par la piqûre d'un simple moustique. À son chevet, ses principaux généraux se disputent déjà la dépouille de son empire. Ce mourant, c'est Alexandre. Et à sa mort, il régnait sur un empire aux dimensions inégalées qui s'étendait de la Grèce à l'Égypte en incorporant tout le Moyen-Orient jusqu'aux frontières de l'Inde. Alexandre avait à peine 32 ans. Et sa conquête de ce que les anciens considéraient être comme le monde connu aura duré à peine 10 ans. C'est son histoire que nous allons raconter. Mon nom est Pierre-Luc Brisson. Bienvenue à L'Histoire nous le dira. Aujourd'hui, premier épisode d'une série consacrée à la carrière politique et militaire d'Alexandre le Grand. Alexandre naît en juillet 356 à Pella, en Macédoine, un royaume alors situé en marge du monde grec. En effet, les Grecs ont toujours considéré la Macédoine comme un état en quelque sorte semi-barbare. Or, le fondateur de la dynastie macédonienne, Alexandre Ier, l'ancêtre de notre Alexandre, fut admis aux grands jeux d'Olympie vers l'an 500 avant Jésus-Christ en revendiquant les origines mythologiques de cette dynastie, issue d'Argos et donc du dieu Héraclès lui-même. Par barbares, les Grecs, et plus tard les adversaires d'Alexandre et de son père Philippe, entendaient une population dont l'organisation et surtout l'éducation étaient trop éloignées de l'idéal grec de la paideia, c'est-à-dire de l'éducation classique. Si la population macédonienne parlait un dialecte parent du grec attique, c'est-à-dire du grec d'Athènes, la cour royale de Pella, quant à elle, était déjà largement hellénisée. Alexandre est le fils aîné du roi Philippe II, qui régnait sur la Macédoine depuis 359 avant notre ère. Sa mère, Olympias, était quant à elle une princesse originaire du royaume d'Épire, sur la côte actuelle de la mer Adriatique. Le père d'Olympias était le roi Néoptolène Ier, de la tribu des Molos, et sa dynastie prétendait descendre d'Éaque, le fils de Zeus et de la nymphe Égine, le grand-père du héros Achille, dont Homère a chanté les exploits sur les murs de Troie. C'est donc dire que, tant par sa mère que par son père, Alexandre pouvait revendiquer une ascendance divine. D'ailleurs, durant l'Antiquité, on ne manquera pas d'inventer des histoires qui vont prétendre que Olympias, la mère d'Alexandre, aurait couché avec le roi des dieux lui-même, Zeus, comme dans de nombreux mythes grecs. Avant la nuit où ils furent réunis dans la chambre nuptiale, la fiancée rêva qu'il y avait un orage et que la foudre tombait sur son ventre. Le choc faisait jaillir un grand feu qui se divisa ensuite en plusieurs flammes. Celles-ci se portèrent dans toutes les directions et alors le feu fut anéanti. Quant à Philippe, peu de temps après le mariage, il eut un songe au cours duquel il apposait un sceau sur le ventre de sa femme. Il lui semblait que l'empreinte du sceau représentait un lion. Ce rêve suscita la méfiance de tous les devins. Il annonçait, selon eux, que Philippe devait surveiller son épouse avec plus de vigilance. Mais Aristandros de Telmessos déclara que la femme était enceinte, car on ne sait jamais ce qui est vide, et que l'enfant qu'elle portait avait l'humeur coléreuse et la nature d'un lion. On verra que le prétendu caractère divin d'Alexandre va occuper une place importante durant le reste de son épopée, particulièrement durant son passage en Égypte et dans l'idéologie royale qui va se développer après sa mort chez ses successeurs. Alexandre reçut donc une éducation à la grecque à la cour de Pella, et Philippe II confia l'éducation de son fils à un maître de tout premier plan, le philosophe Aristote, élève de Platon, qui avait lui-même des origines parentes de la Macédoine, puisqu'il est né en 384 en Chalcidique,
dans la cité de Stagir. De 343 à 340, Aristote sera donc le précepteur du jeune prince et de nombre d'autres garçons de la noblesse macédonienne qui formeront plus tard la garde rapprochée d'Alexandre, ses compagnons, c'est-à-dire ses hétéroïs en grec. C'est sans doute Aristote qui a transmis à Alexandre l'amour de la culture et des lettres grecques et qui a ouvert l'esprit du jeune homme sur l'immensité du monde. Une anecdote célèbre veut que le jeune conquérant se soit lancé dans son équipée orientale en transportant avec lui ses exemplaires des œuvres d'Homère. Aristote aurait d'ailleurs composé pour son jeune disciple une édition revue de l'Iliade dont ne se séparait jamais le jeune prince. La politique menée par le père d'Alexandre, Philippe II, était ambitieuse. Il fut amené à intervenir dans ce que l'on a appelé la Troisième Guerre sacrée, qui s'est déroulée de 357 à 346 avant notre ère, une guerre déclarée par le Conseil des cités chargé de l'administration du grand sanctuaire religieux de Delphes. L'Amphictyone était en fait dominée par la cité de Thèbes, qui a usé de ce pouvoir contre la cité de Phocée, ceux-là même qui ont fondé Marseille au 8e siècle, dès lors accusée de sacrilège contre le grand sanctuaire. Les détails et les origines de la guerre sont trop compliqués pour qu'on s'y attarde ici. Ce qui importe de dire cependant, c'est que Philippe, qui intervint dans le conflit aux côtés de l'Amphictyone, sortira vainqueur de cette guerre menée au sud de la Macédoine et surtout, il imposera son royaume comme première puissance du monde égéen. Les prétentions hégémoniques de Philippe inspireront à Athènes les discours d'un jeune orateur de 33 ans, ancien élève de Platon, Démosthène. Il va prononcer en 351 sa première philippique pour alerter ses compatriotes devant le danger macédonien et surtout susciter un sursaut politique et militaire de la part d'Athènes. Ce terme de philippique est aujourd'hui passé dans le langage courant afin de désigner une charge politique violente et l'orateur romain Cicéron s'en inspira au 1er siècle afin de dénoncer les agissements de son adversaire Marc-Antoine. C'est cependant la quatrième guerre sacrée, en 339 et 338, qui va imposer Philippe et la Macédoine comme véritables arbitres du monde grec. Philippe va intervenir à nouveau dans les affaires grecques à la demande de l'Amphictyone de Delphes, cette fois contre les cités de Thèbes et d'Athènes qui avaient alors forgé une alliance. En août 338, Philippe remporta contre ces cités une victoire éclatante à Chéronée, en Béotie, près de l'Attique, à un peu plus d'une centaine de kilomètres d'Athènes. Plus de 60 000 hommes s'y affronteront de part et d'autre, et c'est lors de cette bataille qu'Alexandre donnera la pleine mesure de son talent militaire en lançant une grande charge de cavalerie qui a brisé la ligne de l'armée grecque. Le bataillon sacré de Thèbes, composé de 300 soldats d'élite, 150 paires d'amants pédérastiques, fut détruit à cette occasion. Ses membres furent enterrés sur le site même de la bataille dans une sépulture commune surmontée d'un lion qui fut découvert au 19e siècle. La bataille de Chéronée a concrétisé la prédominance de la Macédoine sur le monde égéen et a imposé Philippe comme l'arbitre des relations entre cités grecques. Le roi a imposé sa paix commune, la Koiné Eirene, et a fondé l'année suivante, en 337, la Ligue de Corinthe, dont il devint l'hégémon, c'est-à-dire le chef politique et militaire. Une fois son pouvoir consolidé, Philippe a pu se consacrer à l'élaboration d'un plan ambitieux. Détourner les tendances querelleuses des cités grecques, qui avaient toujours été en guerre les unes contre les autres, en provoquant une guerre à l'extérieur de la Grèce continentale. Le roi planifiait de se lancer dans une invasion de l'Empire perse achéménide, l'ennemi héréditaire de la Grèce, dirigé depuis 336 par le roi Darius III. Il s'agissait en quelque sorte d'une revanche des Grecs pour le sac d'Athènes survenu en septembre 480 et qui était demeuré un événement traumatique dans l'imaginaire collectif grec. Or, Philippe n'aura pas le temps de mettre en branle son plan de conquête de l'Orient perse puisqu'il sera assassiné l'année suivante dans des circonstances troubles, ouvrant la voie du trône à Alexandre. Mais ça, ce sera le début de notre prochaine capsule. Mon nom est Pierre-Luc Brisson et je vous donne rendez-vous pour la suite de l'épopée orientale d'Alexandre.